pour toutes, l'argent, c'est que du bonheur. C'est quoi? C'est que du quoi? Bonheur. Que du bonheur. Faut que ça vienne de là, ça vient de là. C'est que du bonheur, bonheur, bonheur. Non, merci à vous. Ni hao. On essaie de faire augmenter les prix, on augmente les prix. J'ai vendu du riz à des Chinois. On augmente les prix, je continue. Les Chinois. Je viens vous emprunter 23 millions d'euros. 23 millions. C'est pour un crédit immobilier, une création d'entreprise? Un crédit immobilier, une création d'entreprise? Non. C'est pour un projet de sauvetage de la planète. Un sauvetage? Un enfant qui naît aujourd'hui né avec 30 000 euros de dette, et je crois qu'il a tout entendu. Parce que son ses petites mains sont accrochées comme ça, ça s'exclusait, et depuis il va pas sortir, docteur, je sais plus quoi faire. Économie, ça vient du latin, gérer sa maison. Si tu admets que le monde est une grande maison, tu fais attention à ce que tout le monde ait de quoi manger, bien dormir, etc. Et tu fais attention, excuse-moi, tu fais attention à ce qu'il n'y ait pas un Tim Cook qui gagne 13 000 fois plus que Christelle Larieux. Le Tim Cook, il partage. T'as pas appris à partager quand t'étais petite, toi? Oui, donc vous jouez au loto, d'accord. Vous voyez un peu l'hypocrisie, madame? Toutes les semaines, vous avez dépensé 6 euros pour espérer un peu devenir riche. Non. Et vous êtes en train d'interrompre mon spectacle en disant oui, l'argent, c'est pas le bonheur. C'est un jeu. C'est un jeu, le loto? Et d'où c'est drôle? Ça n'a rien de ludique. On se marre pas en cochant des cases. À la classe moyenne. La France de ceux qui regardent le monde dans haut d'une tour et qui boivent des cafés mocha. Il me faut une café machine espresso café mocha. Et puis vous finirez seul, au RSA, alcoolique, déprimé, dans une maison qui tombe en ruine à 10, que vous n'arriverez pas à revendre parce que le contremaître vous aura arnaqué sur les travaux et vous aura mis du marbre, ça glisse, ça sera